kiffé. Très bon vivre à Gand. C'est une ville à dimension humaine qui offre en plus des trésors de culture, d'art et d'architecture insoupçonnés. Parfois il pleut à Gand, mais nous on est toujours contents quand on a la pluie. Salut les Français, tous les Français, venez à Gand. Gand, c'est l'autre Venise du Nord. Située à 1 heure de Lille et à 45 minutes de Bruxelles, cette ville belge de Flandre orientale, c'est l'oublié des chemins touristiques français. Nous connaissons mieux Bruges, Anvers ou Liège, grave erreur. La ville dévoile toute sa beauté le long de ses canaux, une ville qui n'a pas toujours été belge. Gand était française du 9e au 16e siècle. Jean-Louis est guide conférencier. Passionné par l'histoire de sa ville, c'est là qu'il a fait toute sa carrière. À cette époque-là, le comté de Flandre est un des principaux comtés du Royaume de France. Gand est une ville française quand Bruxelles ne l'est pas. Gand est une ville française quand Nancy, quand Strasbourg, quand Nice ne le sont pas. Et Gand était française plus longtemps que ces trois villes réunies. Gand reviendra dans le giron espagnol au XVIe siècle sous le règne de Charles Quint. Elle fut une prise de choix pour l'empereur car c'était un port de commerce de premier plan. L'eau joue un rôle absolument essentiel dans l'ADN gantois. La zone où nous sommes a été pendant des siècles le principal port intérieur de Gand. Nous avons toujours été un port fluvial parce que nous sommes au confluent de deux rivières qui prennent d'ailleurs leur source dans le nord de la France, la Lys et l'Escaut. Mais nous sommes devenus un port maritime et le port maritime de Gand existe depuis les années 1820. C'est un port qui, par sa taille et par le volume traité, est supérieur à celui de Rouen. La proximité de la mer du Nord, à une cinquantaine de kilomètres, influence fortement le climat local. Les hivers y sont généralement froids et humides, et les étés y sont très tempérés. En période de canicule, Gand, c'est le refuge idéal. D'autant que son cœur historique est un voyage à travers 8 siècles d'histoire, avec le château médiéval des Comtes et les Trois Tours. Les Trois Tours, c'est une des images emblématiques dans la ville de Gand. Elle vous montre successivement, tout au fond, la cathédrale Saint-Bavon, puis le beffroi, qui n'est évidemment pas une église, mais un bâtiment civil, et l'église Saint-Nicolas. Et dans la cathédrale est préservée une œuvre magistrale, l'agneau mystique de Van Eyck, dont la réputation n'a rien envié à celle de la Joconde au Louvre. L'agneau mystique est l'œuvre phare, je dirais, du 15e siècle. On y voit l'adoration de l'agneau mystique, c'est-à-dire que sur le registre inférieur, on est au ciel. Sur un autel, il y a un agneau qui verse son sang, qui est bien sûr symbolique pour la figure de Jésus-Christ. Ça a failli disparaître plusieurs fois. Il y a eu des incendies, il y a eu des guerres. Mais durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, eux, vont s'emparer de cette œuvre, vont l'emmener en Allemagne puis en Autriche, la cacher dans une mine de sel, et elle risque à ce moment-là d'être détruite parce que le but est de détruire toutes ces œuvres d'art qui ont été collectées là. Face à la cathédrale, le beffroi, symbole de la puissance économique de la ville depuis le Moyen Âge. À son sommet sonne le carillon tous les quarts d'heure. Il a longtemps rythmé la vie et le travail des Gantois à une époque où seul le lever et le coucher du soleil étaient des certitudes pour se repérer dans la journée. C'est aussi lui qui sonne l'heure du déjeuner. Bonjour, voilà, merci, s'il madame. Vous plaît. L'excellent Waterzooi gantois. Oui, certainement. C'est le plat le plus typique pour Gand. On fait ça avec du poulet ou du poisson, mais nous le faisons avec du poulet. On fait bouillir le poulet dans un bouillon avec des légumes et après, on a mis un peu de crème et c'est tout. Gand, c'est la ville des gourmands. On compte 5 restaurants étoilés et quelques spécialités. À Montélimar, c'est le nougat et ici, c'est le Cuberdon. Salut Sonny. Ah, bonjour, comment vas-tu, Jean-Louis? Tu vas bien? Prêt à vendre tes Cuberdons? Ah, comme d'habitude, tous les jours. C'est quelque chose qui est caractéristique de notre ville, qu'on appelle aussi tout simplement de neusekes, les nez. C'est un mélange de fruits rouges, marmelade, framboise, cerise, fraise, aviolette, avec la gomme arabique qu'on cuit au four. Donc, c'est cuit au four pendant quelques jours, pendant 2, 3, 4 jours, ça dépend. Et quand ils sont dans le four, on obtient la croûte autour de la marmelade. Quand la croûte est formée, les cuberdons sont prêts. Mon grand-père le faisait, mon père, maintenant moi je le fais. Mon fils est déjà aussi dans le business, donc c'est une tradition de famille. Et pour une spécialité flamande, le nom cuberdon sonne étrangement français.
personne exactement sait pourquoi un cuberdon. Donc, c'est un nom français parce que ça date de la période que la Belgique, c'était un peu la France. Les nuances de cuberdon, c'est un peu comme les nuances du ciel de Gand. Dans une même journée, le ciel bleu peut très rapidement alterner avec des pluies soutenues. Mais il y a un endroit où on se réjouit de ce temps. C'est dans cette boutique située juste à côté d'un des ponts qui enjambe la Lys. Chez Ursula, on vend des parapluies. Nous, on a le magasin depuis 1939. Moi, je suis la quatrième génération. Et on a tellement de parapluies, je ne peux pas vous dire la quantité qu'on a à la maison. Et pourtant, le changement climatique a peu à peu changé les habitudes d'Ursula. Les gens ne croient pas, mais c'est quand même comme ça qu'on n'a pas assez de pluie pour vendre que des parapluies. Dans le temps, on n'avait que des parapluies dans le magasin. Il y a maintenant 27 années qu'on a dû commencer avec des autres choses. Parce que seulement les parapluies, quand il n'y a pas de pluie, on ne va rien vendre. Espérons qu'il ne pleuve pas trop lors de votre prochaine visite à Gand. Rendez-vous à partir du 15 juillet et pendant 10 jours pour les fêtes gantoises, l'une des plus importantes fêtes populaires d'Europe, drainant plus de 2 millions de personnes. Vivement l'été !